Alors, Moumou. Mmh. Donc, nous, on était dans le Seif et Im, Kadam, Vebirer, Zokev, Kefufim, Kodem, Sheberar, Matir, Asurim, Lo, Yavarachecha, Lo, Yavarachena. Donc, ça, c'est une halakha très importante. C'est une halakha très importante. C'est l'halakha et. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire le matin. C'est que le mec, avant de dire Zokev, Kefufim, il a dit. Avant de dire Matir Asurim, il a dit Zokef Kefufim. Zokef Kefufim, c'est plus que Matir Asurim. Parce que Matir Asurim, c'est il peut bouger. Zokef Kefufim, il est debout. Et quand il est debout, c'est qu'il peut bouger. Donc il peut le plus, peut le moins. C'est clair, c'est halakha? Donc qu'est-ce qui est important, c'est le Mishnah Berurah. Regardez Mishnah Berurah, Seif Katan Kaf. Chez Kevan, chez Nathan Odea, chez Niskaf Legamre. Comme il a remercié sur le fait d'être entièrement redressé. Zebirklaal. Ça inclut également des matières sourim, Nitrayev miad kishiyoshev. Yatan des matières sourim, Nitrayev miad kishiyoshev. Mais matières sourim, c'est quand tu es juste assis. Quand tu es debout, c'est plus que assis. Viachrol kim basé. Au masqué, masqué, c'est la chaune maskana. Ou masqué à Acharonim, c'est pas qu'il cache quelque chose de l'Acharonim, dans le minhag tunisien. Ou masqué à Acharonim, laquelle basée? Laquelle basée? C'est que on fait pas la bracha. Qu'on fait quand même ou qu'on fait? On fait pas la bracha. Ça fait brachot, laquelle? Basé laquelle? C'est de pas faire. Ouais. Une couleur en général, c'est on te dit, reste, ne fais pas. Au moins, on t'oblige à faire. Les Acharonim disent donc comme maintenant, on a malheureusement inversé l'ordre. On a dit Zokef Kefufim, on était un peu endormi, etc. Matir Asurim, c'est perdu. Ça, c'est Pashut, c'est le Shulchan Aruch. D'accord? Maintenant, il y a des cas qui vont nous rappeler notre jeunesse. Katav Aprigadim, Etov Sheire, Sheishma, Acharka, Meacher, Aberacha. T'as raison, je vais enlever mes lunettes, je verrai un peu mieux. Alors, des tov, she'ire, she'ishma, acharkar, me'acher, abracha, v'chaven, latzed, v'yotze, mima nafsha. Donc, tu as perdu Matir Asurim, c'est dommage. Tu as dit Zokef Kefufim, tu as perdu Matir Asurim. Ben, il y a un mec là qui arrive à la synagogue et tout, il n'a pas fait ses brachot. Je trouve un petit Ashkenaz qui aime bien faire ça à la synagogue. Et que le Mishnah Berurah dit de nos jours, on fait les brachot même à la maison. Mais malgré tout, il y a encore des Ashkenazim qui nous cassent les oreilles. Et donc, tu l'attrapes, tu dis, tiens, tu peux m'acquitter de matière assurée, s'il te plaît? C'est bon? Pour l'instant, c'est pas shoot. Pour l'instant, c'est fastoche. Je ne peux pas faire de bracha sans qu'on amène. Comment? Les Ashkenazim ne veulent pas faire de bracha sans qu'on réponde amen. Abandonne ton minaï. Ça, qu'ils sont. Il y a, non, les Ashkenazim, ouais. Eux, regarde par exemple dans le Mishnah Berurah, Sif Katan Yud Gimel, regarde le Mishnah Berurah. Il rapporte le Levouche. C'était qui le Levouche? Le Talmid de, ça commence bien. C'était le fils, déjà, précise bien, c'était le fils de son père, c'est important. C'est le Talmid du. Incroyable. Il y a des trucs où l'étudiant doit dire à voix basse quand même. Du Rama. Donc c'est important quand même. L'ami du Rama. Le Rav Mordechai Yaffe, qui était très très beau. Et la femme qui a couru après, il est passé par les WC. C'est pas l'histoire? Oh. Bon. Je suis brossé les dents, je mets un pyjama, j'ai une histoire. Ah ben. Non, mais Bekitsour, regardez Mishnah Berurah Yud Gimel, il rapporte le Levouche là-bas. Il dit que Magan Avraham Evi Bechama Levouche, le Achmir Bibirkat Hacharar, Sheno Motsi Bepachot Measara. Au Bismanenu Minak, Shekol Echan Mevar Bifinatsmo, Ben Asher Tzibur Motsi Shum Adam. Donc il rapporte Mishnah Berurah que même les Ashkenazim ont le Minak de faire eux-mêmes la bracha.
On connaît maintenant la Sidourim, on n'est pas complètement alphabet, analphabète. Mais le Levouche, il rapporte que ce qui faisait les shkeu à la synagogue, de faire les brachas pour acquitter les Amaretzim, il a compris que c'est un peu comme la takana de la Amida. Que la Amida, pour que le Yéhazara d'Achat, il faut qu'il y ait 10 personnes. Vous comprenez ou pas? Pour acquitter. Alors Levouche, il a compris que les brachas du matin, c'est pareil. Et donc, si on n'est pas 10, ouais, si on n'est pas 10, on ne peut pas acquitter. Donc ici, ce qu'on vient de dire, que quand tu n'as pas dit Matir Asurim, trouve-toi un mec pour t'acquitter, c'est pas comme le Levouche. D'accord? Donc quoi qu'il n'est pas Rochèche le Levouche ici, le Mishnah Boura. D'accord? Même pour un Ashkenaz. Petite remarque. On continue. On continue. Veim Bécha chez Amar. Voilà, là c'est très important, Nathan, ça te rappelait ta jeunesse. Im Bécha chez Amar. Bokata Hashem, Aïta Kavanato Levarer. Zoïkev Kefoufi, im Yesayem, Zoïkev Kefoufi. Vous vous rappelez de cette souga? Le mec, il a pris un verre de bière et il pensait que c'était du vin ou inversement. Vous vous rappelez ou pas? Et on a eu cinq chitotes dans les Rishonim là-bas. Et la chita de Rashi, ouais, et du Rambam. C'est que le Icar, il est dans la Kavana, dans le Shem. Si tu as une Kavana dans le Shem, ouais, eh bien, tu ne peux pas changer après. Le Icar, c'est quelle Kavana tu as quand tu dis Baurata Hashem. Tu pensais que c'était du vin? Ah, coincé, t'es embêté. Alors là, il prend en considération l'opinion du Rashi, du Rambam. De toute façon, je crois qu'il posait comme ça. Hein. On refera, c'est le Siman Rechtet, ça fait partie des programmes de l'hiver, des révisions de l'hiver. Donc il dit ici, en prenant en considération que cette opinion, le mec, il avait son doigt sur la mauvaise ligne. Et il faisait, moi, tu vois, par exemple, quand je fais Birkat HaShachar, je n'ai pas devant moi un sidour, mais avant de dire la bracha, je regarde la fin de la bracha. C'est important, il dit le Chaye Adam, qu'au moment où tu dis le Baorata Hashem, tu sais déjà ce que tu vas dire comme bracha. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est pas je dis Borat Hachem après Boniré. Donc moi j'ai un doigt sur le. Moi j'ai un doigt sur le début de la ligne et un doigt sur la fin de la ligne. La fin de la ligne, bah, je vois c'est quoi la bracha. Ah, ça c'est Matir Asurim, allez. Borat Hachem. Je sais déjà que je vais dire. Dans la Borat Hachem, je sais déjà sur quoi je vais dire la bracha. Vous me suivez ou pas? Le mec, son doigt il a glissé. Et il a mis le doigt sur Zokevrim. Ah, d'accord, Zokevrim. Baoratachem. Ah mince! C'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah mince! Quand j'ai dit Baoratachem, je voulais dire, j'avais la kavana de dire Zokev Kefoufi, mais je vois qu'en fin de compte, non, j'ai pas encore dit Matérosurim. Qu'est-ce que je faille? Non, C'est dans la tête, hein. C'est ce il a qui me fait fini. penser à quoi? Il a pensé à Zokev qui vous Quoi fout. maintenant là ou dans le cas du Mishnah Non. Le cas du Mishnah Bora, c'est que quand j'ai dit Baruch HaTashem, je pensais que la fin de la Bora, c'était Zokef Kefoufim. Alors il dit le Mishnah Bora, hein, mais il faut terminer Zokef Kefoufim. Ah, mais Rav, je vais perdre ma tirasourim. Malasot. Lechatrila, on doit dire la bracha comme la kavana qu'on avait dans le Shem. Parce que si tu ne fais pas comme ça, hein, c'est une marloquette et c'est ça fait brachot la laquelle. D'après certaines opinions, c'est bracha levatala, d'avoir une kavana dans le shem et de finir par autre chose. C'est un problème. Puisque c'est un problème de safek brachot, d'accord? Alors, tu as commencé bracha tachem avec zokef kefufim dans la tête. Tu vas finir par zokef kefufim. Ah, mais j'ai raté maturesim. D'accord, voilà, saute. Tu n'as pas entraîné une bracha levatala d'après certaines chitotes en terminant bracha tachem dans la tête zokef kefufim et dire maturesim. Vous me suivez ou pas? C'est certaines chitotes, donc c'est pas tout le monde. Si on dit C'était Choukana. j'ai envie de changer, je dis matière à souris. Ma cavane a été, mais je m'en aperçois, je dis avant matière à Très souris. bien. Non, on voit que c'est la période électorale aux États-Unis. Là, c'est de l'alakha. C'est pas on ne te demande pas de voter. Il y a certaines chitotes, donc il y en a d'autres qui permettent, Mais qui oui, permettent mais de à cause de changer ces sa chiplotes-là, cavana à cause en de... cours de tu ne route. connais pas le concept de Safek Brachot Léakel? On prend en considération pas mal de chitotes. En plus, c'est Choukana, cette chita. En plus. Bastam, un rabbin médiéval perché dans une montagne en Himalaya.
Baruch Ata Hashem, c'est là où le Icar la bracha, il est dans le Baruch Ata Hashem. Donc tu dois déjà savoir ce que tu vas dire par la suite. Et quand tu avais l'intention de dire Zokef Kefufim, tu ne peux pas dire le début de la bracha avec une kavana et finir avec autre chose. Il n'a pas compris, Reuven. J'ai compris. Alors, la personne qui n'a pas la kavana, qui ne fait pas attention à ce qu'il va dire à chaque Vaut fois. mieux pas de kavana qu'une mauvaise kavana. Vaut mieux pas savoir ce que je vais lire à la Ouais. Et fin. pourquoi vaut mieux? Non. Les ratrilas, il faut savoir bien ce qu'il faut lire. Oui. Je te dis, Rav, vaut mieux être mort ou handicapé? Non, sois en bonne Aucun des santé. deux. Oui. Sois en bonne santé. Tu vas faire les ratrilas, d'avoir la kavana de la fin de la bracha au moment du Baruch Ata Hashem. Et de ne pas se tromper, ce n'est pas tellement compliqué. Non, non, mais les brochettes du matin, heureusement, enfin Ben moi justement, personnellement, heureusement. mais on On les les balle. avale, On les quoi. balle. Et pourquoi? Les brachot du matin, le problème, c'est quand on les dit, on est Fatigué. mou. Comme le siman. Exactement. Il y a un siman sur ces brachot, c'est qu'on est mou quand on les dit. C'est ouf, hein, ça. C'est Avant de sortir de la maison, tac, tac, ouais, tac. vraiment, c'est Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. un c'est dire. Le mec, il se réveille le matin avec Est-ce une paralysie faciale. qu'on est Et le mec, écouté? il s'est pas réveillé avec une paralysie faciale. Il y a une différence? Oui, alors faut remercier. Matir Asurim. Et le 7 ans, il parle pas de ce côté. Faut être conscient quand même de la chance qu'on se réveille le matin et que la vie elle reprend normalement. On peut s'habiller, on peut marcher, on peut bouger, on peut truc. Si on ne prend pas conscience de ça, alors on a un peu ce qu'on appelle des ingrats. Bonne journée. Salut Amir! C'est bonne journée, bonne journée. Good luck. Ouais, on est à la four, voilà. C'est 6h30 au bout. On est souvent. On peut faire pour le loin en matin se retard. lever comme un lion. Ah ouais, Moi, j'arrive pas à tu comprendre fais comme ça. ça, tu fais comme un lion, Hein? Oui, non? à très Non, d'accord. c'est Oui. ça. Quand on dit dans Faut que le tu te lion, laisses un peu c'est en plus anglais. pousser les cheveux, Non. Reuven. Non, mais C'est la crinière. Non, mais ils ont dit comme un lion, en mode, il faut être des simbras le matin se lever avec. qui a dit ça, ce bébé, c'est vrai? Non, mais Mais comme un lion, c'est pas comme un sur lion. la lune, T'as pas tu des vois, copains, les Breslev? non, Ils se tu lèvent, vois, les Bessimra, ils simbras, se c'est couchent, pas Bessimra. comme un Ils lion. se font tabasser, Bessimra, tout C'est Bessimra. comme un lion alors. Ça veut dire que je suis 4 ans, il y a et je lève de. Alors, ok, je me lève, mais je suis pas content, je fais Il tout, mais je suis n'est pas pas content, comme un ça lion, sert il se lève, mais il n'est pas comme un à lion. rien. Pas comme un lion, il se Ça lève sert à pas comme rien. un Si lion. je me lève, Mais tu sur me une lèves, main, vivant sur ce un lion, matin, tu quand me tu as deux diras, mais yeux. qu'à chaque fois je grogne, ça sert à rien, j'ai pas Maintenant, envie un de lion, faire. il grogne, un lion, il grogne. Je rugis. C'est un C'est quoi boy. le. C'est Bah, important, hein. bon, c'est quoi ces questions, Réhouven? C'est la base de la Tfila, enfin de ce qu'on parle ici. Mais comment tu travailles comme un lion? Je ne sais pas, je ne rentre pas dans ta vie privée. C'est ça que je demande, comment on fait à la fin de match? Comment maintenant tu n'arrives pas à te lever le matin, hein? Tu Choix. dois maintenant t'imaginer le Malach Hamavet qui est en train d'aiguiser son couteau, c'est tout. Ça marche. Ouais, Ah ben là, avec la bonne coupure avec. Hein? Tu as dit que tu veux te lever comme un lion comme ce matin, avec la Ouais. Il y a un danger de mort. C'est à quelle heure, la Zaka? 6h20 ici, 6h20. là-bas. 6h20, J'allais sortir, 21 mais chez c'est moi. vraiment. C'est Moi aussi, rappelé j'allais quand. sortir. Moi, c'était à 18, moi. J'étais obligé de Non, avant, descendre c'est avant, descendre avant, en avant, classe. c'est avant, ben. C'était à Avant, 18, avant. 18. J'ai J'avais mon pas prof, il m'a pas encore vu. mis C'était là. à 18. Avec, il n'y avait pas de séparation, là. Je pouvais rien faire. Hein. Bon. Bon, on était tout l'immeuble, on était au sous-sol. Oh, vous allez au Miklat C'est encore. pas de mes vies. Les Tunisiens, ils n'ont pas le minag, ouais. Et dans les Hadas, il n'y a pas de Miklat. Même Bilam, il était sommaire à la Nes. Ils allaient mettre Arnaud, tout ça n'a pas là-bas. bougé, hein? Hein? Arrête, ça m'éclate au Comment? nez. Ouais, ils n'ont pas bougé, les Ouais. Miklat, en fait. Ils me Comme ressortent. ça? Je ne sais pas s'ils ont raison. Ah, moi, Mais le, ils n'ont la, pas quand de il est Miklat. descendu, Ah, c'est il n'y ma a pas de Miklat? Mais dis-moi, Miklat. petite question personnelle. Ce sujet ne vous intéresse pas? Si, si. Non, c'est pour Non, mais répondre c'est à cause de à moi, Réhouven. excusez-moi, Non, Miklat. c'est-à-dire. Comment? Miklat, c'est à cause de moi. C'est-à-dire, j'ai Comment l'impression tu que c'est une petite prépares, c'est dur. discussion PMU, machin, t'as gagné au tac au tac. Possible. Venez, on étudie un petit peu quand même. Pas comme C'est-à-dire. sur l'escalier, Non, genre. j'ai des trucs à faire intéressants. Hein. Donc, est-ce que c'est clair cette première halakha? Ouais. T'as une kavana mauvaise au niveau du Shem Hashem, tu dois terminer selon cette kavana. Même aux dépens de perdre la bracha. Donc, il repère ma tirade sur Il a perdu. là, on a Kavana qui Il l'a a... refait Pourquoi voir. repère? Il a perdu. Non, comme dans le cas d'avant, quoi. C'est Quand quoi il le cas avait d'avant? sauté, le cas d'avant, il avait fait les Oui. autres qu'il avait prévu avant. Il vient sauter Bémézid. Là, il l'a sauté par Kavana et il a loupé aussi.
Voilà, Ouais, il exactement. faut qu'il réponde à la question qu'il a passée. Il Pour lui. Alors, encore une fois, il va se trouver l'Ashkénaze bruyant. Bon. Celui qui a fait oser extraire l'histoire avant de On se marcher. plaît, Jonathan. Afalgav. Mais une seconde, on finit le Mistamboura. Qu'est-ce que tu prends le parole devant le Hafetz Ah. Il va se vexer. Afalgav des Az. Loyura levarer Matir Asurim. Bien qu'en faisant cela, il aura perdu Matir Asurim. Mikol Sheken Béchar Brachot. Chez Loyakpid à la Seder. Alors pareil, maintenant, tu as Ozer Israël, Oter Israël, ou bien toutes les autres Birkot Hasharar, que tu perds rien en inversant l'ordre. Il y a que ces deux-là qui sont Tu plus perds. pragmatiques. Ozer Israël, mais voilà. Avant Masbisharoumim. Ah bon? Qui c'est qui a dit On a ça? dit, tu mets la ceinture. Et qui a dit qu'on perdait? Hein? Qui a dit qu'on perdait? Non, toi C'est tu très dis, clair. non, tu dis, Jonathan, mais C'est tu déjà sens habillé. que tu as fait une overdose de C'est petite déjà crotte habillé. libanaise, ouais. Pas ça, on perd pas. On n'a pas dit qu'on perdait. C'est inverse. Le judaïsme est beau, on n'est pas obligé de le changer. On n'a pas dit qu'on le perdait. Les deux cas qu'on perdait, nous, c'était ou bien Matir Asurim par rapport à Zekef Kefoufim, et on a vu aussi une marloquette, que quand tu as dit chez Loasani Isha, alors, tu perds ce qui était avant, Goy et Aved. C'est une marloquette aussi. D'accord? Alors, toutes les autres brachot, pour des lipshons, on ne les perd pas. Donc, il dit le Mishtamboura, Pal vachomer, Kol Sheken. Si maintenant tu as inversé l'ordre sur des brachot que de toute façon tu peux rattraper après, va die. Quand tu as eu la kavana sur, je ne sais pas moi, tu dois dire Anoten, tu as eu la kavana de dire Anoten Aevkohar et tu as eu dit Tsadegaver. Ouais? C'est pas grave, dans ta tête, tu vas dire Notenev, quoi. C'est pas grave, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Rien n'est Méakev dans aucune autre. Oh, n'importe quel autre brachot. Le Zobarot, c'est pas Maqueb, l'ordre. C'est que ces deux-là, là. Le Matière à sourire avec le casque. Non, je viens de dire l'autre exemple. Ah, Chez Charles. Lo Asani Eved, chez Asani Isha, lorsqu'il est avant, il est. T'as déjà dit plus Ah que ouais. Goy. D'accord? Ce qu'on a vu ici dans le Mishtamboura, dans le Seif Katan. T'as vu ou pas? Oui, il a mis. Voilà. Tetzain. Imbirer Mitrila chez l'Assani Isha. Yesh Omrim. Veshuv le Echa Levarer chez l'Assani Akum. Et bien que c'est Marloquette, alors le Chida, il dit que ça fait Brachot de laquelle. Donc, quand on a inversé l'ordre aussi dans ces trois-là, on est embêté. On a inversé l'ordre. Il faut dire Goy, Eved, Isha. Quand on a inversé l'ordre, qui peut le plus, peut le moins. Oui, et ben, tu peux dire Goy, Isha, tu peux dire le reste. Voilà. C'est bon? Mais les autres brachot, l'ordre, il n'est pas Méakev. D'accord? Alors qu'elle va remercier si maintenant dans ta tête, tu pensais dire la bracha X, ouais, bah, tu vas la terminer, puisque de toute façon, tu ne vas rien perdre. Mais même quand tu vas perdre, parce que là, tu veux dire Zokef Kefoufim à la Termine. place, hein, tu termines quand même. Alors qu'elle va remercier quand tu vas rien perdre. C'est clair ou pas? C'est trop facile, je n'ai pas l'habitude de faire un truc tellement facile comme ça. L'Union, c'est Zokif qui faut filmer avec. L'Union, Oui. c'est qu'il avait Zokif au film avant. Oui. C'est vrai. Vous posez une question maintenant? Qu'est-ce que vous Non, faites? mais je dis qu'on est en train de discuter. En conclusion, En conclusion. à part les deux brachot, où là, il y a un problème, tout le reste, il n'y a pas de céder. Et donc, Les à plus tranquilles. forte raison que quand tu as eu la Kavana dans le Shem, tu termines selon ta Kavana. Voilà. Parce que tu perds rien. Même quand tu perds, tu dois terminer selon ta Kavana. Alors quand tu perds pas, à plus forte raison. D'accord? C'est facile, hein. Quoi? Bah, ce qu'on a vu là, c'est pour l'instant, c'est simple, quoi. C'est simple, mais il faut le savoir. L'halakha, c'est pas que on cherche pas à compliquer la vie. On cherche à apprendre ce qu'il faut faire. Tu connaissais cette halakha? Voilà. Ve'im Besha'a, Sheigia, Ebirkat Poké Arivrim, Ratsal Essaem Poké Arivrim, Nirshal Bishono. Donc il a le doigt. Il sait très bien que la fin de la bracha, c'est Poké Arivrim. Il le sait. Mais le mec, au lieu de prendre un café, il a pris un verre d'huile. Donc la langue, elle glisse. Il a glissé. Au lieu de dire Poké Arivrim, il a dit Malbisharoumim. Il avait dans la tête Poké Arivrim. Il y avait la carte, Il a Et sauté. il a dit Malbisharoumim, le mec. C'était deux brachot. On s'en fout, c'est pas, elles ne sont pas liées les unes aux autres. Donc, il fait selon ce qu'il a. Dans ce cas-là, c'est aussi rappelé. Ou Bétor, Kenenibour, Niskar,
Vessiem poker ivrim. Et il fait ce qu'on appelle ce qu'avait demandé M. Alphon, torque et dédibour. Il dit, ah, qu'est-ce que je fais, ce kef-kef-oufim? C'est quoi là-bas, c'était? Il est non, il est poker ivrim, c'était quoi l'histoire? Poker ivrim, ouais, c'est pas ce kef-kef-oufim. Alors, Ezé Matière Soum, non, on est entre. On n'est pas dans ce kef-kef-oufim maintenant. On est entre Malbich Shalomim et poker ivrim. C'est celui qui a avant Malbich Shalomim. Très bien, et tu peux dire dans le désordre. Et le mec, il a corrigé, quand même. Au Bétor, Kédédibour, Niskar, Vessiem, Poké, Arivrim, Yeshurum, Yatsa, Bazé, et Débirkat, Poké, Arivrim, qui basé, Akar, Siumo, Arishon, Vesh, Mistapkim, Bazé. Il y en a qui sont Mistapek, Bazé. La cabane est bonne, et le torque des Dubourg, il est dans le temps. Parce que dans le Shem, il voulait dire. Voilà. Donc la Kavana, elle est bonne. Et à la fin, il a en plus l'opinion de Torque et Dédibourg. Donc il a Rachi, et en plus il a le Roche qui parle Torque et Dédibourg. Que le Roche, il dit on va d'après le dernier Lachon. Donc le dernier Lachon, il est comme la Kavana, c'est bon. Une action Mistapek basée. Et je Mistapek basée. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, je vois le Yishmaser comment il tranche. Je pense qu'il tranche pareil, de mémoire. Ah, c'est un bon livre. Qui c'est qui a pris le Yishmaser? Non, Je peux vous piquer 2 secondes. Qui c'est qui a le Ishmael? il n'a pas. Non, c'est pas ça. Non. Bon, alors je vais devoir me lever. Et celui qui a mis Stapek. J'ai pas l'air, non? Ishmael Moi, ça c'est le destiné tragique. Celui qui a mis Stapek, dit ce qu'il a dit quoi? Comme la dernière correction, comme ce qu'il avait dit juste avant. Ben c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas Concrètement, écrit. qu'est-ce qu'il a dit, ça? Le Mishnah n'a pas explicité la chose. Ouais. Il dit Asher Etchouva Bessimanze. Donc c'est Asher Etchouva qui est écrit ici, tu vois. Il est là, Asher Etchouva, tu vois. Dalet. Dalet J'ai Dalet et Van. 25, 6 dans 25. C'est plus une équipe de Mme Chiron. Je ne comprends pas bien leur safek, moi, personnellement. Ouais. Déjà, on va voir la lacha. On va voir la lacha déjà. Est-ce que comment il tranche le. Il n'a rien dit? 5. Qu'est-ce qu'il dit le Ishmatzliar? Kavri Michia, Midile, Shiatzed Il a factorisé la brosse maintenant. Echovat. Ouais. Après le Kafahaïm, on est quitte des deux. Voilà. Ah, bah, ouais, non, Donc la Kavana, elle était bonne. ouais, D'accord? bon, mais pas sur Sur la ma scanning. vie, Mais il a dit 2 brachot qui sont vraies. Quand maintenant tu dis une bracha qui est fausse, il s'appuie sur une opinion dans les Rishonim, le Kafarim. Quand maintenant tu dis sur la bière, tu dis sur la bière, tu dis, tu avais un verre de bière et tu as dit Boré Père Geffen, Chakon Yabidvaro. Pourquoi tu as réparé? Parce que Boré Père Geffen, ça ne marche pas sur la bière. Oui. Mais si tu dis 2 brachot, les 2 phrases que tu as dit, ce que tu as dit et ce que tu as réparé, les 2 sont justes. C'est différent. C'est plus le cas d'Agmara. Quand sur un verre de bière, je dis Boré Père Geffen, chez Akon Yabidvaro, je me suis rattrapé. D'accord? Donc, Torque et Dédibourg, il répare, ouais, il efface le problème. Oui. D'accord? Parce qu'il y a un problème. Mais si je dis Malbich Aromim Poker Ivrim, il n'y a rien de faux. Mais il a dit Malbichon, oui, son cabana. Oui, mais d'après une opinion dans les Rishonim, qui n'est pas le Rashi, on ne regarde pas la Kavana dans le Shem. Non, On regarde ce que tu as dit. D'accord? On regarde ce que tu as dit. Et tu as dit 2 brachot, ils sont vrais. Sauf qu'il y a un Shem Hashem, et donc il faut dire que le Shem Hashem, il est en facteur. Il dit une seule fois Baruch Ata Hashem. Elokeinu Melech Haolam, comme on a dit, Malbich Aharonim, Poker Ivrim. Donc c'est pas comme le cas du Geffen. Quand est-ce qu'on dit que Torque et Dibourg efface ce qui a été dit précédemment? Je pense que ce qui a été c'est dit l'heure. précédemment était faux. Torque et Dibourg, c'est une réparation, quand il y a besoin de réparation. Comme ça, il rapporte ici, mais il dit, regarde, va voir à la fin du livre, je t'explique un peu plus en détail, il a dit. Et c'est quoi le safek du char et tchouva? Oh là là! C'est quoi son safek après?
On va faire un peu de Gemara aujourd'hui, je sens. Arrête, arrête, on s'en fout. C'est fini cette époque, Aurel. C'est Sefkatan combien déjà? Sefkatan. Sefkatan. Karf. Karf. Voilà, Vesh Mistapkin Bazé. Yeshlomar de Davka Beshachar Omaim, chez Marzik Beado Akos. Chez Marzik Beado Besamim, Beshaché Matri Lever, Marchavato Nikeret de Kanato Lever, chez Akol Niabidvaro, Oburim Nisamim, Mache Beado, Mocher Khalav, chez Tabil Shono. Davka Bezem Rinan de Kevan de Tiken, Torque de Dibou Yatadechorezot. Aval Poker Ivrim, En Marchavato Nikeret. Alors quoi, ils sont pas clairs, les mecs. Pour dire que Tork et Dédibour, ça répare, d'après cette deuxième opinion rapportée par Mishnah Moura, pour dire que Tork et Dédibour, ça répare, c'est que y a ton erreur, elle est visible. Par exemple, j'ai un verre de... Écoute, Aurel, tu as confisqué la chose ou pas, Élie? Prends-lui, le pauvre. Il faut l'aider. Il est en pleine période de désintoxication. Il faut une aide sociale. Donc, le monsieur, il a un verre de bière dans sa main. Un verre de bière dans sa main. Et il dit Boré Père Agéfen, chez Akonia Bidvero. C'est clair? Alors, il y en a qui pensent que pourquoi on peut réparer Torqué Dédibou? Parce que l'erreur, elle est visible. Il a un verre de bière dans la main. Et c'est pas Boré Père Agéfen. Il y en a qui pensent qu'on peut corriger, parce qu'il dit c'est. Ça marche à val et nickel, et tu vois qu'il voulait faire, il voulait faire. On reprend le cas. Un monsieur, il avait un verre de bière dans la main. Il savait qu'il avait un verre de bière dans la main. Mais sa langue a fourché, il a dit Boré Perigéfen. Quand il dit chez Akon Yabidvaro, il peut se rattraper. Pourquoi? Parce qu'il avait et la Kavana. Et c'est clair que sa Kavana, elle était de dire chez Akol, parce que Bémet, il a un verre de vin, un verre de bière dans la main. Mais là, même que sa kavana, elle était de dire la bonne chose, enfin, je ne sais pas moi, est-ce qu'il a donné comme exemple le Mishnah Moura, c'était quoi? C'était Poker Ivrim ou Nathan? Sa kavana, c'était de dire quoi? Poker Ivrim. Poker Ivrim, très bien. Mais là, ce n'est pas Nikar, c'est ça qu'il voulait dire. C'est pas visible. Je vous dis ce qui est écrit. Je ne comprends pas ce que je dis, ouais. Vous avez demandé c'est quoi cette opinion? Je ne la comprenais pas avant de l'avoir lu. Après l'avoir lu, je ne l'ai pas compris plus. On regarde ce qui est dans ta tête, on regarde pas ce qui est dans ta main. Pour lui, c'est pas une question de kavana. Je sais pas, je comprends pas. Un élo mémine. D'accord? Un élo mémine. On va demander savoir c'est quoi le pchat. Je vous lis ce qu'ils ont rapporté du charret de chouva, mais je comprends pas. Est-ce qu'on a fini le seif? J'aimerais pas qu'on s'arrête au milieu du seif. Je crois pas. Voilà. Aval im becha'a. Shamar borata shem elokenu melech rachav gamken. Yonatan, fais gaffe parce qu'on a dit un certain nombre d'alachot qu'on va finir le seif katan. Je vais demander que tu fasses la liste de toutes les lois qu'on a vues. Ce n'est pas le moment de récupérer. Aval im mechar. Shamar baurata Hashem le kenu melech olam. Sachav gamken. Lesayem. Malbish arumim. Veharar shesiem malbish arumim. Niskar betor kedibur. Veharar poker ivrim. Likulalma yetse birkat malbish arumim. Vechoser mevarer poker ivrim. En aseder meakev. Donc, au moment, il a dit la bracha. Il voulait dire malbish arumim. Et après qu'il a dit malbish arumim, c'est abruti. Écoutez, le mec, il voulait dire Malbich Arumim. Il regarde sa veste et dit, ah, Malbich Arumim, machin. Et il a dit Malbich Arumim. Ah, oh, Poké Arivrim, abruti. Il a fait Torque et Dédibourg à l'envers. Un Torque et Dédibourg qui est faux. Est-ce que Torque et Dédibourg, c'est-à-dire, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, ou bien Torque et Dédibourg, c'est une roue de sauvetage? C'est ça qu'il dit ici. Ouais. J'ai et la Kavana dans le Shem Malbich Arumim. J'ai dit Malbich Arumim. Quand je dis Poker Ivrim après, ça ne peut pas l'abîmer. Pourquoi? Que j'ai fini la bracha en vérité. Je l'ai fini la bracha. J'ai dit Borod Hashem, Malbich Arumim. Après, je dis Poker Ivrim Azma. Je l'ai fini la bracha. Il n'avait pas la Kavana dans le Kedéji pour ça, mon Dieu. Non. Sa Kavana de dire Poker Ivrim après Malbich Arumim. Ouais.
Elle est fausse. Et puis, il a déjà fini la bracha. C'est comme Il la vous parle de chien, vous n'existez même lumière, on pas. pourrait dire aussi c'est il a fini. Non, il n'a pas fini parce qu'il fallait dire chez Akol. Il a dit Boré Père Geffen chez Akol. Ah, dans le cas où il a fait Donc quand il a pas. dit Boré Père Geffen, c'est faux. Donc on attend son chez Akol, on attend son rattrapade. Ah, et dans ce cas-là, quand Mais là, on même. n'attend rien, on n'a plus besoin de ce qu'il dit après, c'est en trop. C'est une greffe inutile. Ouais, bonjour. Il dit les coulées alma yatsa yedi birkat malbisharumim vechoser mever poker ivrim en aseder meakev echen uadin bechol birkat hashachar levet birkat matir esrim zokef kefufim imigdim birkat zokef kefufim bitor kedibur siem Bon, Nathan, c'est quoi les différentes halakhot qu'on a vues? Premier cas. Il a inversé. Je D'abord, qu'est-ce qu'il a la kavana dans le shem? Qu'est-ce qu'il a eu kavana dans le shem? Non. Je suis dans le Mishnah Boura. Tout le monde a compris le Shulchan Aruch. Moi, je pose des questions que juste qu'il y a une avamina que tu ne te connaisses pas la réponse. Si c'est sûr que tu ne connais la réponse, jamais je poserai une question. Quel intérêt? C'est pas motivant. Vous allez avoir confiance en vous, être heureux. vais dire matière à sourire. Il avait dans sa tête Zokef Kefoufim. Alors, Il y a matière à sourire. et il s'en est rendu compte après avoir dit le Shem. Est-ce qu'il rattrape en disant Matir Asurim ou il termine par Zokef Kefoufim? Termine par le Il a fait mes autres. Premier cas validé. Deuxième cas. Il avait une bonne kavana dans le Shem. Il avait une bonne kavana dans le Shem. Et voilà, et il a fourché, il a dit autre chose, il a dit Malbisharumim, et il se rattrape, il dit Poker Ivrim. Il dit, la majorité des Achronim, il dit, c'est bon, j'ai rattrapé, mais il y en a qui est Mistapek Bazé. On a vu le Kafarim, il dit que t'es quitte des deux. Pas obligé de donc. Kafarim dit, on est quitte des deux. Alors, et qu'est-ce qu'il dit la Lachamoura sur ça, juste pour trancher la chose? Je ne l'ai pas laissé ouvert, c'est dommage. Chaque fois, je dois le rouvrir, c'est lourd. Une seconde. Comment on fait? Moi, je pense que la lacha, c'est que c'est bon. Ça fait brachot la hakel. Oui, mais c'est le problème. À cause du kafarim, de savoir brachot la hakel, peut-être que je peux plus faire poker à cause du kafarim, je suis peut-être quitte des deux, mais ça fait. Est-ce qu'on prend ce kafarim? Parce que c'est un chidouche personnel, le kafarim. Est-ce qu'on prend ce kafarim? Ouais. Pour argent comptant, c'est-à-dire que. Il crée un safek brachot de laquelle, bien que c'est une opinion isolée. Alors, une seconde. Seif et je regarde. Est-ce qu'il a pris en considération ce kafahaim? Ah, ça fait du bien, ça. On a dit, on est qui sur les deux. C'est-à-dire qu'on est qui, c'est comme si on avait les deux Voilà. Misafek, t'es quitte Misafek. brachot. S'il se reprend, c'est comme si on juste le dernier mot qu'il a dit, finalement. Si finalement il avait la cadence de Mam Charoumi, J'ai pas compris ce que tu as dit. on a dit, les quittes sur les deux Misafek. C'est comme si, genre, qu'il avait dit les deux brachot. Alors que lui, sa cadence, c'était de dire juste le brachot. Ouais. Bon, ça. Une seconde. Mais j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi la lacha encore. Ça, c'est le cas Fahreim. Afalpiché Shurkim. D'accord, ça fait barod de laquelle, très bien. Afalpiché. Il n'a pas fait le sujet. Kanire, il a dû développer le sujet dans Rechtet. Kanire, il a tranché le sujet dans Rechtet, le à la Chabroua, parce que le sujet, il est dans Rechtet, en vérité. Rechtet, c'est l'histoire du verre de vin et du verre de bière. C'est là-bas, il y a tous les cas. Il n'a pas tranché ici, il faut voir dans Rechtet. Donc, on est le der. Comment on tranche dans ce cas-là? Donc, il ne faut pas rentrer dans ce cas de figure. Mais ça peut arriver. Le mec, il voulait dire Malbisharumim. Il a dit, ah non, Pokharim, il se reprend Malbisharumim. Qu'est-ce qu'on fait? Et Marloquette, comment on tranche, nous, qui sommes parades et que ça fait brachot de laquelle? Il n'a pas tranché. Peut-être je vais écrire le lachon directement. Nirshal bin Shono Vessiem. Nirshal bin Somo, Nirshal. Nirshal bin Shono Vessiem. Voilà. Non, tu peux. De toute façon, t'as un quota comme ça de jingle à dire chaque jour. Oui. Ah non.
Dommage, on n'a pas fait. Bon, je ne trouve pas. Bon, je vois là, c'est Siman Rechtet. Je ne sais pas. Et le Rav, alors il faut regarder. C'est quoi le livre de Rav Moshe Lévi sur les brachot? Comment il s'appelle? Birkat Hashem. Birkat Hashem. Voyons voir s'il a parlé de ça. J'imagine que lui, il a parlé de ça. Aïe! Il est chaud, non? Enfin, je trouve pas. C'est terrible. Je sais pas. Je trouve pas. Bon, il faudra que je prenne du temps pour garder cette halakha, chercher de manière plus méthodique. Voilà. Boré Pérez Geffen, d'accord. Et il dit. Voilà, il le dit. Miche patar bebracha. Écoutez bien l'halakha. Alaha le maase. Celui qui a commencé la bracha, il a dit Borat Hashem, al dat le semet bracha. Il avait dans la tête la bonne intention. Venir chal bilchono, ve hatam, hatima, shel bracha charet, ve tor ke dibur tiken, ve amar et hatima bonin, yatsa de chovat a bracha, shel tzar le barer, ven bazer cholkim. Oh. Donc il n'a pas pris en considération le. Et la factorisation, elle marche pas alors. Elle est Non, mauvaise. il n'a pas pris en Parfait, considération il faut en le. face de l'autre. Ve hatam, hatima, shel bracha charet, ve tor ke dibur. Tiken ve'amar et ratima la bracha chez Tsarir. C'est comme le cas du vent, là. Attends, mais Une c'est ça le cas correction. qu'on cherche? Nous, on va faire des C'est ça doublettes, qu'on nous. cherche. La longueur de la fourchette. Im Béchara, chez Guy, les Birkat Pokévrim, Ratsa, les Sam Pokévrim, Chouloum, Vissiem, non, c'est ça, c'est le cas. C'est ce cas-là. Ce cas. Il a une bonne Kavana et le dernier mot, il était bon. Une bonne Et au clôture. milieu, il s'est trompé. Alors, il dit, dans ce cas-là, il est posé comme le Mishnah Moura, comme le Rav d'Acharonim. Oui, mais Aussi c'est oui. Par la bracha qui est mauvaise. C'est le Est-ce que marché. c'est sur la bracha qui est mauvaise? Ah oui, non. Il ne le précise pas, là, c'est vrai. Et c'est pas là. Quoi? Il ne précise pas quoi? Et qui sur la bracha qui devait faire de base? Parce que sa langue, elle a fourché. Mais sur la bracha qui, par exemple, je sais pas, il devait faire Sefer Tofim, il a dit Malbisha Romim. Est-ce que sur Malbisha Romim, il est qui ou pas? Peut-être quoi, ouais. Est-ce qu'il y a une couleur pour ça, quoi? Je sais pas, je relis la phrase. Miche patar be bracha. Ve amar ba'orat Hashem le kenu melech olam al dat le saem et birki. Et ta bracha chez tsarir. Tout ça, on a compris. Est-ce que l'autre Venir est. chal yishono ve chatam. Sur le Nirchal, c'est pas la Chatima. question. Oui, mais il est clair, il Dans dit. l'ordi, il précise pas, là. Quoi? Nous, on a vu qu'on pouvait faire la factorisation dans le Mishnah Berurah. Mais Non, pas attends. dans Mishnah Berurah. Le Dans le Kafa Kaf HaChaim. Il Kafani, il dit n'y a pas qu'il de ça dans Mishnah Berurah. est basé qu'il y a. Mistapek, est-ce qu'il est quitte? Mais pas qu'il est quitte des deux. Ça, c'est Kafarim qui dit qu'il est quitte des deux. Ils vont refaire l'autre bras, par exemple. Ouais. Il le dit. Ve chatam chatima shel bracha acheret. Ve tor ke dedibur tiken. Ve amar et chatima shel bracha shel tzarir. Yatsa de chovat. Attends une seconde, peut-être qu'il Mais parle d'un coup. on n'a pas le problème Attends une de seconde. c'est trop bras dès le départ. C'est de ça qu'on parle. Peut-être de répéter. Il a fait la bonne bracha, ensuite il est revenu, il s'est trompé. On ne parle pas de ça. Dans le Yeshmusen basé. Il a parti sur le Ikea et s'est trompé. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. C'est autre chose. Il a pensé bien, il a fait bien, et à tous les gens. Et ensuite, il s'est trompé. Pas du tout le même cas. Qu'est-ce qui est pas le même cas? Donc, lorsqu'on lit ici, il dit comme ça. Il s'est trompé, il a dit. Mais après, Alors, mais il a rattrapé tant qu'il est blanc. Continue la phrase. Ensuite, on peut dire qu'il est dit beau, il serve aussi bien pour qu'elle arrive. Voilà. Donc il a eu la Kavana de Poker Ivrim dans la Ça, c'est le bracha. premier cas. Et C'est-à-dire qu'il je ne sais il pas ce avait que la tu as Kavana appelé. pour Pérabrim, il s'est trompé, il reprend Poker Ivrim. Sa langue n'a pas obéi à son cerveau. Sa langue n'a pas obéi à son cerveau. Le D'accord. cerveau était bien et la conclusion finale était bien. Mais au milieu, il y a eu une glissade. Ouais. Alors D'accord. il a effacé la glissade d'après la première opinion dans le Mishnah Moura, et comme ça il tranche le Rav D'accord. Moshe Lévi. Mais ce que vous avez dit là, ça, c'est un autre cas. C'est Non. que il est parti. Si, si, ce que j'ai entendu, moi je me trompe.
Il est parti sur la bonne chose, et ensuite il s'est rattrapé en faisant une erreur. Non, non, je pense que non. D'après ce que j'ai entendu. Nirchal bilchono, vechatam chatima, shel bracha arayat, ve tor kedibur tiken. Tor kedibur tiken. Donc le dernier mot, il est juste. C'est notre cas, Bidouk. Yatzad et chovat abracha, shel ser levarer. Maintenant, où est le problème, puisque si. Ben, le problème, c'est que Moussamoir apporte une marque loquette. Continuez. Oui, mais justement, j'essaie de voir où c'est marqué, je vois pas. Veyesh, Mistavkim, Bazé. La suite. D'accord, mais il n'explique pas pourquoi. Ah ben, on a expliqué tout à l'heure. C'est Charette Chouvin, on l'a expliqué. Je ne vais pas reprendre parce que je n'ai pas compris, mais on l'a expliqué. J'ai lu tout à l'heure l'explication du Yesh Mistavkim Bazé. Mais j'ai dit que je n'ai pas compris, mais on l'a lu. Non. Ça, c'est pas grave, la lacha, elle est comme ça. Allez, prenez votre mara. N'oubliez pas que l'enjeu quand on fait de la lacha, c'est la lacha. On n'est pas obligé de tout comprendre, toutes les chitotes qui sont rapportées. L'important, c'est la conclusion. Est-ce que la conclusion est claire? Gemara. Alors hier, on a vu une Mara extraordinaire, une Mara mortelle. Elite a raté la Gemara la plus importante de